Allô, allô, test. Test, test, test. Hello, hello, hello la France, hello la France, hello la France. Bon, désolé, hein, c'était la fin de la game avec le délai. J'ai mis un petit peu de temps. Putain, je suis qualifié. Eh, c'est fou hein, ce qui se passe. Je crois que je suis dit premier de mon lobby. Hein. Non, les gars, en vrai, je vous jure, il se passe un truc. Hein. Il se passe un truc de fou. Hein. Sur le PC, je crois que j'ai vraiment un PC magique. Hein. Parce que je sais pas si vous l'avez vu quand j'ai écrit, mais là, le PC sur lequel je joue, qui est juste là, donc j'ai fait ma première round dessus. Les collègues est venu dessus, il a mis 3 top 1. Et moi, je fais 2 top 1. Attends, il y a des joueurs qui ont fait les Worlds du 7-9. Il y a des gars qui sont genre dans le rank NA au top du top. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment médusé, là. Si tu gagnes, tu payes ta tournée de 18. Non, mais je gagnerai pas, mais... Bah ouais, objectif rempli, 128, du coup bah, je vais gagner minimum 450$, ce qui est quand même super sympa hein, quand tu fais le voyage. Et puis j'avoue que faire 3 games et me barrer, tu vois, c'est... même si je streamais avec vous et que je l'aurais vécu, c'est pas pareil que de se qualifier, tu vois. Et là je vais me lever demain matin, je vais me dire putain j'ai une chance, c'est de la folie, hein. C'est de la folie. Hein. Merci mon Xavier, ça fait plaisir. Eh, je trouve ça dingue que vous soyez présents à cette heure-ci, hein, les gens de la night. Hein. Moi à cette heure-ci, de manière classique, je suis... dans les bras de Morphée, mais alors là, de voir autant d'engouement à cette heure-ci, c'est vraiment dingue. 14h chez moi ? 14h ? Ah oui, t'es encore sur un autre... Merci beaucoup, en tout cas, c'est gentil. Alors, vous l'avez compris, hein, pour ceux qui voulaient voir tous les autres joueurs, etc., c'est que ma POV qui est diffusée, parce que, en fait, Riot sont partis du principe que j'allais être éliminé rapidement. Ils ont dit, oui, oui, fais tes games, là, du round 1, et ensuite, stream les autres. Problème ! Problème, c'est que demain je joue. Problème du coup, voilà. Je rappelle que je suis seed 508 sur 512 de ce tournoi. Donc les 4, je fais partie des 4-5 cancres du fond du... Donc c'est assez dingue, hein, c'est dingue. Tout sous-estimé, oh bah là c'est plus sous-estimé, là ils m'ont mis dans le caniveau. Hein. Dans le caniveau et j'essaie de crier à travers les grilles et ils voulaient pas mourir. Je vais quand même regarder avec vous les résultats des Français. Je sais pas si vous avez réussi à track. Je vais les découvrir en même temps que vous. J'espère que mon Lolo il est passé aussi. Ça va être dans... alors pas le leaderboard. Si je fais un F5, qu'est-ce qu'il me dit le cousin? F5, il me dit rien. You! Soldier Boy, atto. Your ranking on the tournament. Global rank 23? Mais non. Je suis 23ème du tournoi actuellement, les gars. Sur 512. Alors, oh oui, le Magarki! Alors, attendez, regardez. Alors, Magarki, 42 points. Énorme. Double, 40 points. Cambis, 38 points. Kevin Parker, l'Allemand, 38. Les Cocos, 38. 36. Eh, en vrai, eh, les gars, ça suit la cadence. Hein. Ça suit la cadence. Hein. Bah, je veux dire... Enfin bref, Zoro aussi, hein, Zoro, pardon, Zoro 44, légende. L'ARS 35, légende. Xperion 35, donc ça passe hein, tout ça. Hein. Je suis pas fou, hein. Jaja, non. Snoodibou, Yaroi, Doki. Doki 33, ça passe. En fait, je sais pas quand ça passe pas. Comment est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'ils ont cumulé les points? Parce que je pense pas qu'on puisse. On va pas le voir comme ça. C'est les points comme ça, ils servent à rien. On va aller ailleurs. Tu passes? Ouais? Je... Viens, mets un casque, mets un casque. Doki nous a rejoint là, il va faire un petit coucou. Ah, vous voyez pas la caméra, attendez une petite seconde. Hop là, on est rejoint par Doki, les amis. Non. Vas-y, go. C'était éprouvant. Éprouvant. Ça passe ric-rac ou pas? J'ai démarré par top 8. J'ai démarré par 8, j'ai fait 2-1 après. Non. J'étais top 8, pour moi c'était gens, fini, j'entre à la maison, à la fin je tremblais à moitié. Oh, bon. Incroyable, top 2 et 1. Ouais, je fais 2 et 1. Et j'étais dans le lobby de Momo et Momo il passe aussi du coup. Je te laisse regarder. C'est toi, t'as fait 22 Top 1 du lobby. Allez, let's go. Attends, Aki, out, ciao. Et Travis, okay. C'est pas mis dans l'ordre, mais ouais, Aki sort, et lui et lui. Ah, j'ai fait top 1, top 1, top 3. Légende. Le PC est buff. Hein. Une légende, sans déconner.
Le PC est turbo meuf. Alors du coup, de qui ça passe? Moi aussi. On va faire un petit tour des gens qu'on connaît. Soju, ça passe. Oh putain, Soju, il a fumé le lobby. Hein. Il a atomisé. 1-1-2. Les gogos, ça passe. Espat, ça passe pas. Ici, ok. Le turc, Utenera, ne passe pas. L'espagnol non plus. Ici, Kevin Parker, ça passe. Là, on ne connaît pas. Ici, ah, Sologuessan qui passe pas. Oh là là, terrible. Ici, c'est pour ça 15 points. Ah, ils ont pas fini. Mais tu sais qu'il y a un truc de fou. Il y a Wet Jungler qui est passé avec 12. Non. En fait, double et je sais plus qui et Pokigom ont atomisé le lobby. Il y a que des mecs qui ont fait des bottoms. Mmh. Ah, reste. C'est Soko qui passe pas. Il s'est fait atomiser, hein. Il a fait double 8. En fait, on en parlait avec Bol, et en fait, les NA ne font jamais de LAN. Et il y a peut-être un monde où ils sont pas habitués, tu vois. Certains. Ah, mais moi, je suis sûr à 100%, c'est même pas peut-être. Ça joue trop. Ouais. C'est-à-dire que là où nous. Tu vois, par exemple, toi, tu disais que juste avant, t'as un petit peu tremblé parce qu'il y avait un enjeu de malade et que tu les top 1, entre guillemets. Eux, je pense que dès que ça commence à struggle en mid-game, ils sont. Tu vois. Et donc. Putain, mais Setsuko. C'est genre le gars, pour ceux qui ont suivi un peu aux États-Unis, Setsuko est rank 1 presque global, hein. Et il est annoncé, en haut il était annoncé comme favori du tournoi, meilleur joueur américain, en vrai pas du monde, mais certains voilà, dans le top monde. Non, Setsuko est censé être une machine. Et regardez, hein, Setsuko, 1462 points, le premier américain, et regardez la drill qu'il met aux autres. Out. Ça c'est un délire. Hein. En même temps, un statut de favori c'est dur à assumer. Hein. Ouais, je pense pression. Là, ici, il y a vraiment... Il n'y a aucune explication. Genre, Setsuko, c'est la personne que genre, tout le monde regarde un peu, histoire de comprendre les transis. Moi, je pense qu'il choque. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, mais c'est pas la première fois qu'il choque. Hein, parce que sa finale des Worlds, il a fait des Worlds de fou. Finale, il avait choke. Et là, il y a ça, mais il est. Ah, mais les Worlds, c'était en ligne. Oui. Et genre, il jouait, il chantait, tu vois. Là, c'est pas pareil. T'as pas de son, t'as rien, t'as pas de stream. Donc, oui, parce qu'en vrai, qu'il se fasse arnaquer sur un cut au quart demain, ok. Un cut moitié, c'est bizarre, c'est pas normal. Genre. Non. Là, je pense, de top 8 en plus, c'est. Ouais. Allez, on continue. Dish Soap, par contre, le gars sûr, lui, il continue. Ici, on a... on connaît pas. Dark Hydra, non ! Mais vous, Dark Hydra, qui va sortir ici ? L'IRS, légende. L'IRS aussi, je suis passé à côté de lui. Très solide. Il me dit, tu passes ? Ouais, il me dit, ouais, je t'ai qualifié au bout de deux games. Je peux te dire que j'ai connu ce sentiment. Voilà. De ta part, tu as honnêtement... ensuite, on a Milk qui passe, Flancy qui passe, Petit Dino qui passe pas, terrible. Saint Vicious qui passe, Sasa qui passe, Tartman, il avait un gros lobby, hein, lobby de Saint Vicious. C'était le lobby qui était sur scène là-bas. Ah putain, merde, oui. Ah, le Tart, ouais, c'était chaud ici, hein. Dommage. Ici, ok. Soubidibou, c'est Snoudibou. Non, c'est il y a Soubidou et Snoudibou dans le tournoi. D'ailleurs, Snoudi passe pas, je l'ai croisé tout à l'heure. Oh non, merde. Bon, moi, il y a un pseudo rigolo qui lui ressemble. Il y a deux Français, par contre, il y a Falcor et Frobey, là, ça passe pas. Hein. Ah ouais. Ah merde, j'ai parlé un peu avec eux juste avant. Ah dommage, hein. Un point, putain. Dégue, un point. Ici, on connaît pas. Brocoli, Toronto, Tokyo, Majou, ok, c'est un gros lobby ça aussi. Oh, Xperion qui est premier, incroyable. Here we go qui passe. Hey, c'est un Français aussi. Ouais, Smao, c'est un Français. Smao. Bon, Xperion qui continue, premier de son lobby. Ici, y a Ramkef qu'on connaît un peu. Oula, alors là, c'est pas dans l'ordre. Pas de bol, 16. Oula, attends, 1, 2, 3. C'est bon. Nice. Bien mon Lolo. Ah, tiens, il y avait Rudir, le mec qui a stomp ton premier lobby. Ouais, il est out. Ouais. Pourtant, il avait l'air vraiment solide. Hein. Je pense qu'il y a Turbo Hyrule, comme moi. Ouais. Je pense que sur 3 games, T'as Turbo Hyrule là, tu t'es... Ah, la game 2 était folle, ouais. Genre, j'ai 3 heures still early. Un peu plus tard, genre, je roll une fois, j'ai Ezreal élu Big Shot avec 50 goals. Et après, je change. Tu t'es quand même senti genre bien dans tes pompes et tout, t'as bien joué ou t'as vraiment Turbo Hyrule? Je pense que. Après, il faudra dire le chat ce qu'ils ont bien pensé, mais. Bon, si j'ai top 1, c'est que j'ai bien joué, mais j'ai trouvé que les games que j'ai joué étaient. Simple, tu vois, oui, genre alors à piloter ça allait, ouais, non, c'est du hard style un peu tout droit. Et après, mais je pense que j'ai bien joué parce que j'ai changé plein de fois d'élu. Et j'avais pas eu peur, tu vois, c'est juste ça, j'ai pas eu peur. T'as regardé, mais t'as quand même bien joué, c'était pas en mode, non, mais si j'ai top 1, j'ai évidemment bien joué, ouais, mais j'ai pas été le, tu sais, genre,
C'est difficile à dire, tu vois, parce qu'il y a trop d'informations. T'étais dans le truc, t'avais pas le recul. Ouais, donc je sais pas, j'ai dû faire genre, plein d'erreurs, mais pour moi, j'en ai pas fait, parce que bah, du coup, j'ai fait un pas. Mais je pense que les games étaient sympas à regarder, en tout cas. Ouais, les stabs étaient cool. Enfin, continuons, donc, pas de bol qui passe, nice. Kiyun qui passe pas. Oh lolo, mais attends, mais c'est pas possible. Non, mais DSG, il y a DSG. Est là. Sixième NA qui passe pas comme ça, là. Non, mais ça veut dire qu'il y a DSG Setsuko passe pas, DSG Boxbox passe pas, DSG Kiyun passe pas. En même temps, ils sont venus à 10. Donc c'est vrai, c'est vrai qu'ils sont venus à 30 000. Mais... Et avec Soju. Korowan, c'est pas le joueur de LoL? Ah, c'est le, même pseudo, c'est le même pseudo, mais je sais pas si c'est le même. Mais tu sais que moi j'avais un papy de LoL dans mon premier lobby, j'avais Nintendo Dex. Oui, trop, ouais, incroyable. Ah, Korowan, c'était, je me rappelle les Worlds à l'époque, là. Joueur chinois, RNG, EDG et tout, là. Ouais, mais est-ce que c'est le même du coup? Oh, il y a des chances. Il n'y a pas 30 000 Korowan. Ici, on connaît pas Magarki qui passe top 1 et Riri Play. Déjà, en plus, le champion du monde du 7-8. Son lobby d'avant, il avait déjà galéré. Hein, donc là, c'est pas un hasard. Tu vois, il était ric-rac et là, il passe pas. Donc, ce qui était pas dedans. Quoi. Magarki, top 1, top 2, top 2. Hein, super. TLT qui passe également. Ça, c'est chouette. Ah, ils sont... Ok, il y a du français. Cambis qui passe. Toki qui passe. Waouh, waouh, waouh. Bon, j'ai envie de voir le gars qui est passé à 12 là. Enzo qui passe pas! Coup dur. Non! Aïe aïe aïe! On perd un mate. On perd un mate double. Ah voilà, c'est celui-là. Il continue. Et White Jungler qui passe à 13, t'as raison. T'as vu, il fait top 4, top 8. T'as double et Poki qui ont atomisé. Après, regarde, tout le monde a 13. Y a pas un mec à 15? Ah. Bah ouais, j'ai eu un peu le même scénario dans mon lobby, moi, au round 1. Y a un autre gars aussi avec toi qui a un peu. Ah, Rudir. Ouais. Il avait explosé tout le monde. Il y avait un deuxième. White Jungler qui passe en tout cas, notre meilleur représentant IMIA continue. You. Je passais à 14 moi. Ouais. Parce que lui il avait pris tous les points et après on était grave stack. Il y a un moment où je passais pas en vrai. Mais non, mais non. C'est du passé. poursuivons nos aventures. Salvi qui passe. Ah, deux français ici là, Elias et Flouders. Ouais, dur. Malheureusement, on ne trouve pas la solution. Zoro, hein, Zoro, il est premier actuellement IMI. Hein. Il Zoro, fait peur. Hein. Zoro, les gens dorment trop sur Zoro. Parce que ouais, c'est un joueur discret, il stream pas et tout, mais Zoro est trop trop fort. Et je pense, on verra dans le nouveau set là, son frère jumeau Luffy. Luffy aussi est dangereux. Il arrive très très fort. Ouais. Les deux, Zoro et Luffy, ils sont vraiment balèzes. Je suis très d'accord avec toi. Alan ZQ. Aïe aïe aïe, Emerald Dog. Croyez sur ce dos. Ah, ça fait aussi Monsieur Hot Dog quand tu le lis comme ça. Oui. C'est génial! Sauf ce nom exceptionnel! Ok, Yaroi qui passe. Ah, et Snowdibo qui passe pas. Dog Dog non plus. Ah, ça c'est un peu chiant. Le Snowdibo on l'aime bien. Quoi? Ah, mais les NA c'est l'hécatombe! Hein. Ah, mais attends, c'est des chokers fous, c'est pas possible! C'est des têtes de série américaines qui sortent au Day 1. Day 2, je veux bien parce que c'est beaucoup plus dur, mais Day 1. Normalement, tu passes pour un niveau comme ça. C'est chaud. Ah, c'est dur. Alors Robin, c'est genre des mecs, dites-vous que c'est des mecs qui sont censés, enfin ils visent les Worlds ces mecs-là, donc Après, c'est vrai que ça peut arriver les mauvaises games, mais bon, enfin, je veux dire les au niveau auquel on les attend, normalement ça enfin tu vois, c'est comme des doubles ou des les collègues quoi, genre ça met 19-20 points et puis ciao quoi. Donc c'est très étonnant. Michael, oh le triple top 1 de Michael, attention à lui. Attention à lui. DQA ça passe et c'est fini. Ah, c'est pas mal pour les Français, pas mal non pour les Français, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, chez moi, c'est Kang Sung-jong. Il était fort, lui. Hein. C'est le Coréen qui a fait les Worlds le mois dernier. Il était très fort. Hein. Au final, à part Aki qui a contre-perf, Garchomp, Pies, Kang Sung-jong, Travis, tout ça, c'est des mecs... En fait, call, en gros, l'upset, si c'est toi, en fait. Ouais, voilà. En fait, si tu m'enlèves moi... Normalement, t'as les 4 que t'avais call, toi. Ouais, c'est ça, et du coup, y'a toi qui a upset le truc. J'ai trouvé que mon lobby était un peu plus faible que le round 1. Ah ouais? Ah, parce que round 1, pour gagner, il fallait vraiment des dingueries. Là, genre, le top 2, c'était un gars qui avait un truc un peu bidon en true damage, Akali. Ouais. Pourquoi ouais. Parce qu'il y avait plus de pression? Parce que les joueurs ont moins joué le patch Je sais pas comment expliquer, mais j'ai trouvé. Tu sais, genre, parfois, tu regardes les boards finaux et tu te dis, waouh, ok, c'est mort lui. Et en fait, c'était moi cette personne. Mais il n'y avait pas un autre mec en face. Il n'y avait pas un répondant de mec qui a une petite piba de fou. Non, j'ai pas trouvé. Non. Il n'y a pas. Bah, je dis, les gens ont peur. Les gens ont beaucoup plus peur, hein, tu vois. Ouais. Bon, voilà le chat. C'est toi qui. C'est vrai que, du coup, c'est moi qui ai eu des dingueries. Le style est assez illégal.
Et du coup, je mettais des petits moins 5, moins 10. Du coup, les amis, alors pour la suite du programme, bien sûr, point d'exclamation info dans le chat si vous voulez accéder au site hein, et récupérer toutes les infos. Alors, je ne sais pas exactement, ça prend à quelle heure demain. Est-ce que c'est la même heure qu'aujourd'hui? Tu sais ou pas? Je ne vais pas regarder. Mais je ne vais toujours pas caster game, du coup, quelle tuile? Ah ouais, je ne sais pas comment faire, du coup. Je ne sais pas comment faire pour l'instant. Les infos sur le site, peut-être? Il n'y avait pas Marco là qui traînait Marco? Il est là. Est-ce que tu sais à quelle heure ça commence demain pour les gens? C'est comme aujourd'hui? Il est sur le coup, il est sur le coup le chat. Il est sur le coup, ouais. Non mais c'est bien, en tout cas, les Français passent. On a bien joué globalement. Alors bien sûr, il y a de l'hécatombe parce que bon, il y a beaucoup de joueurs, mais on est sur une bonne série, les gars. De toute façon, ça va être demain normalement. Il est quelle heure en France là? 21 et... plus 9, il est 6h. Ouais, il est 6h. Mais attends, mais qu'est-ce que vous faites à 6h du mat, le chat? Qu'est-ce que vous faites à 6h10 du mat? Ouais, bah. 10h10, ça reprend. C'est précis. C'est précis. À quoi? À 10h10? 10h10. Ok, ouais. Ah, donc c'est beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. Ouais. 9h45 début du live, nous dit-on, et 10h10 début des games. Donc 18h30, en gros, pour vous, le chat, 18h, 18h30, ça prend le live, et 19h, ça commence la première game. Hein. Et bah, dis donc, ouais, vous êtes là, Québec, on supporte les fers, no sleep. C'est beau. Ça vous va ou pas? Est-ce qu'on peut, on peut se laisser sur ça? Vous avez kiffé la journée quand même? Enfin, la soirée même, la nuit. Je ne sais plus où on en est, parce que... on est un peu décalé. Chaque fois qu'on donne une heure, on doit dire, alors nous, 15h pour vous, c'est machin. Ah, voilà. Nous, il est 21h hein, ici. Hein. On a commencé le tournoi à 9h et quelques, on va dire. 10h, le temps de se préparer. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas. Donc demain... demain, il y aura encore mon gameplay sur ma chaîne, du coup. Il y a Luffy qui est dans le chat aussi. C'est nice. Mais on a du coup le gameplay sur ma chaîne. Alors du coup, il faudra voir s'il y a des gens qui veulent cast ou passer, etc. Parce que bon, il faut des gens éliminés. Et puis, comme ils ont entre guillemets rien à faire, peut-être que ça peut être sympa qu'ils pointent une tête. Mais il faut que je vois avec les gens éliminés s'ils sont dans le mood, quoi. Parce que je comprends aussi qu'ils aient envie de se balader, faire le casino. Peut-être, hein, profiter un petit peu de la convention et tout, donc faudra voir. Ouais,